Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là on est sur des cheveux tout sympas. Il pleut comme je sais pas quoi dehors. Quoi? Je mettrai du détachant. Les enfants sont en train de manger et après ils iront direct au dodo parce qu'il n'y a eu aucune sieste ce matin et ils se sont levés hyper tôt. C'était quelle heure? Même pas 7h, non? Hier, ils sont levés dans les 6h. Ils sont recouchés. Mais là, dans les 7h, on est le week-end, hein, s'il vous plaît. Donc ce matin, on a été chez Kiabi parce que c'était ouvert. On est dimanche, hein, pour information. J'ai profité qu'il y ait quelques petites soldes, donc je vais vous montrer. Mais j'ai pas pris énormément de choses en solde. Ce que j'ai pris majoritairement, c'était les prix classiques, quoi. Mais je vais vous montrer parce qu'en fait, Antonin est passé en taille 6 ans. Pour le haut, en bas il est toujours en 5 ans. Et Robin est toujours en 3 ans en bas, mais en haut il est en 4 ans. Donc ça commence à être juste de partout au niveau des pulls, c'est horrible. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'en ai eu pour... J'en ai eu pour... 145. Non mais le prix de base. 175 et j'avais encore 15% de réduction, vous savez, quand vous faites votre... programme fidélité quoi. Et je les ai fait appliquer et ça m'est revenu dans les 140 là. Donc voilà, je vais commencer par Abby parce que c'est elle qui a le moins de choses. J'ai pris du 2 ans pour après quoi. J'ai pris ce petit legging, il est vraiment trop joli, trop joli. Et il était à 4€ moins 50%, enfin 4,50 moins 50%. Et le même mais en rose comme ça. Très sympa, je l'avais déjà repéré hors solde, j'avais dit allez non elle a déjà trop de choses, mais là je l'ai pris sur sa taille du dessus. De toute façon elle a fait du 18 mois mais ça va pas continuer comme ça pendant des mois et des mois. Et celui-ci qui était à moins 20%, il a des petits pois dorés si vous voyez bien et il était à 4€. Ensuite on passe au gars. Ah j'ai aussi des pyjamas pour habits, non c'est pas grave. Donc ce t-shirt manche longue, 4€, pour Robin, ce petit t-shirt basique mais avec les petits boutons en bois ici à 4€. Antonin et Robin, j'ai pris le même pull, hein, donc c'était 8€. Tac, ils ont aimé, vous voyez bien, il y a des véhicules et l'intérieur est polaire, donc ils ont le même. Ça c'est pour Antonin, il a choisi ses vêtements, hein, donc du coup, bon il y a des choses, j'ai dit non, parce que... Je suis pas d'accord. J'ai pris ce qui était le plus joli quand même de ses choix. Donc ça c'était 7€. C'est un petit pull à capuche. Pareil, l'intérieur est également polaire. Hop, on a celui-ci aussi pour Antonin à 12€. J'ai bien aimé le petit détail ici au niveau des manches et de la petite poche. Pour Robin, ça c'était 5€. Petit pull rouge tout simple avec écrit hashtag mood of the day. Ah oui c'est ça, il n'y avait plus la taille de Robin en jaune. Donc pour Antonin je l'ai pris mais en jaune. Pour Antonin encore en 5 ans c'était 10€, un petit pantalon de jogging comme ça. Là c'est pour Antonin, ça c'était en solde. Donc vous voyez j'ai pas pris énormément de choses en solde. C'était 5€ moins 20%. Hop. Petit polo manche longue, ça c'est toujours sympa le petit col qui ressort des pulls. Pour Robin en solde, c'était 8€ moins 50%. Je le trouve trop joli, petit pull à capuche comme ça. Sympa comme tout. Il n'y avait pas la taille d'Antonin, c'est bien dommage, parce que j'aime vraiment. Et l'intérieur il est polaire. C'est un joli beige en fait là. Je sais pas comment ça va ressortir, on dirait que c'est blanc mais c'est beige. Pour Antonin en solde, également moins 20%, c'était 12€. Petit pull en laine classique, voilà. Il voulait pas mais moi je l'ai trouvé trop joli. Ça avec un joli petit jean, ça va être sympa comme tout. Pour Robin, 12€ ce pull. Shirt classique manche longue pour Antonin, je crois que c'était 4€ ou 2€. 4€ ça. T-shirt basique 2€, il n'y avait pas pour la taille de Robin, c'est bien dommage. Donc ça... C'est toujours bien sous les pulls. Ça je l'ai prise pour moi. Une petite trousse en velours côtelé avec écrit love en doré, trop jolie. Et elle a un petit peu un velours pailleté rose. Mais il y
également doré. C'était 6 € moins je sais pas combien. Pour Robin, je lui ai pris ce petit pull, j'ai trouvé trop adorable, il était à 8 €. Ça c'est pour Antonin, c'est un petit t-shirt Harry Potter, 8 €. Il est trop beau, t-shirt manche longue, c'est pas mon préf quoi, mais 2,50 €. C'était pas cher. Et 4 €, pareil Antonin, vous imaginez bien, il y a un petit truc de chantier, donc il a adoré. C'est pareil, hein. C'est pas le genre de truc que je préfère, mais bon, voilà. Le doudou à habit qui était dans le sac, 2 €, Antonin. Et ça, c'est pour Robin, c'était 10 €. C'est un joli pull à capuche jaune et c'est pas un intérieur polaire. Voilà, moi je me suis pris ces petites pinces là, le lot de 3 pour 2 €. Elles sont sympas. Pour habit, donc, j'ai pris des pyjamas. Celui-ci, ma petite famille d'amour. J'ai une petite en accueil qui l'a, j'étais là, ah j'adore. Quand j'irai à Kiabi, il faudra que je le prenne. Donc je l'ai pris. Celui-là qui par contre était en solde à moins 50 %, donc je l'ai payé 5 € au lieu de 10. Lui trop joli, il était pas en solde, mais bon. Ma petite fleur, que j'adore, hein. Franchement, moi, il y a un gros soleil juste devant moi, donc vous allez peut-être pas voir, c'est un espèce de rose saumon. 4,50 €, voilà, c'est un pyjama léger. Et ensuite, donc en solde, il y avait ce body que j'ai pris en 24 mois, donc qui était à moins 20 % de 4 €. Il est trop mignon. C'est un body manche longue. Alors je prends jamais des body manche longue. Moi c'est que des fines bretelles. Mais j'ai vraiment trouvé sympa. Et j'aime bien la matière. Tac. Si vous voyez les petits détails là. Trop joli. Franchement hyper sympa. Et pour terminer, un petit legging tout simple qui était à 4 €. Donc c'est des petites poires comme ça. Voilà. C'est tout, c'est déjà pas mal. Et bah de toute façon il fallait remplir un petit peu tout ça, donc voilà. En tout cas moi aujourd'hui je porte ma salopette Zafoul. Vous savez, pour ceux qui ont regardé le haul, il n'y avait pas les petites boutonnières de fête. Donc ils avaient bien fait le tour, mais ils n'avaient pas coupé pour pouvoir insérer les boutons. Donc c'est chose faite, hein, je l'ai fait. Je trouve ça un petit peu abusé quoi. C'est pas gênant mais t'achètes pas des vêtements pour faire le bout à leur place quoi. Et au niveau du collant, c'est les collants de la box. Ginger Box. Je crois que c'est bien ça. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une box sans engagement. Vous recevez 2 collants par mois pour 15 € quoi. Et je trouve ça pas mal ce système là pour celles qui mettent souvent des jupes et tout. Ça vous fait des collants différents à chaque fois. D'ailleurs je vais vous montrer. Moi j'avais reçu la box de décembre et de janvier. Tac, donc on a celui là et à chaque fois c'est écrit derrière. Voile, fluorescence et serpentine. Donc c'est résine fine 30D. C'est des collants recyclés tricotés à partir de chutes de tissu. C'est ça la petite particularité de Ginger parce qu'ils sont green. Voilà, je vous mets ça comme ça, vous pouvez voir. Mais je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez. Donc tous les mois vous recevez... Voilà, donc là c'est de la résine. Moi j'ai pris taille, taille 3. Parce que j'aime pas du tout être serrée dans mes collants, c'est quelque chose que je déteste. Donc 3 c'est parfait. Et du coup celle qui était pour décembre, il y avait un petit cadeau. Et on en avait donc 2, normal. Et là c'était plumétis noir 30D. Donc il y a des petits points. Je pense que vous allez voir. Des petits points dessus, je pense qu'elles sont très jolies. Et la deuxième qui est là, c'est une opaque noire. Voilà, et c'est du 50D. Donc j'ai bien gardé ça pour vous montrer parce que j'avais trouvé ça super, super chouette. Ginger Box. Voilà, je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Lien, code promo, etc. Mais moi, celle que j'ai là, du coup, c'est un semi-opaque noir en 30D. Bah, très bien, franchement, rien à redire. Très très contente.
T'as bien mangé, Abby? C'est pour moi. Qu'est-ce que... Pour moi. Jambon, Antonin, il aime pas tout ce qui est viande. C'est pas quelque chose qui l'attire. Donc à chaque fois, c'est très très long. Voire parfois même impossible de lui faire manger sa viande. Tu veux pas manger ton jambon? Faut manger ton jambon, hein. Oui. Et Robin, ça va? Oui, ça va. Ok. Et bien, oui. Ah oui, je vous ai pas dit, je leur ai pris des parapluies. Un chacun, c'est des parapluies Cars transparentes, classiques, avec des petites voitures dessus. Ah, c'était à 2 euros l'unité, donc... Tu veux le voir? Tiens. Donc ça faisait pas cher. C'est pas une courgette, Robin. C'est quoi, ça? Oui, c'est une cuillère. La fourchette, ça pique. La fourchette, ça pique. Oui, la cuillère, c'est pour les yaourts et tout. Ok? Ok? Coucou. Non, cuillère. Cuillère. Maman, tu sais, j'ai mangé les deux pâtes. Yop. Et là, on a Ronchon Main. Ronchon Main, ça va? Qu'est-ce qu'il est chiant? Pourquoi? J'ai jamais vu quelqu'un. Ah, c'est le mariage qui fait ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça change un homme. Du coup, t'es devenu chien? Ouais. Là, je me suis pas mariée du coup. Mince. Je fais la pub. Bep. Tu dors? Non. C'est pas l'heure de dormir, monsieur. Je vais remanger. Je suis obligée de mettre comme ça si je veux te voir, quoi. Merci, super, c'est trop beau. Non, mais c'est pas... Alors, je suis ni enceinte et ce n'est pas une poche non plus. Oui, bah, de quoi? Sûrement pas, non. Il ne manquerait plus que ça. Mais que s'est-il passé? J'espère que vous allez bien, on est sur une nouvelle journée. J'ai reçu hier mon complément capillaire, c'est ce que vous voyez donc ici. Je suis trop contente, franchement il est super joli. Il est assez proche de ma couleur naturelle en plein soleil. Là c'est vrai que à l'intérieur c'est foncé. Pas trop content. Bah dis donc, t'exagères, hein. Ça se voit que j'achète jamais du coca, hein. C'est pas chez moi que t'en bois, hein. Non. Ouais. Vous voyez ses cheveux? J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle journée et je suis affalée comme il n'y a pas. Je vais donc, s'il est quand même 17h03, je vais clôturer le vlog maintenant et je vais le monter, etc. Mais je tenais quand même à terminer cette vidéo par mes nouveaux cheveux parce que vous allez me voir un peu plus souvent avec cette tête. Donc je tiens à expliquer pourquoi. J'ai commandé un complément capillaire, donc c'est ce que vous voyez ici, proche de ma couleur naturelle, même si au soleil c'est quand même beaucoup beaucoup plus clair que ça.
comme là vous voyez, c'est un peu plus foncé en intérieur, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas à l'extérieur. Mais je suis très contente, voilà, donc c'est mes nouveaux cheveux. Je vous mets quelques petites photos là que j'ai postées sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, c'est Justine Family, n'hésitez pas à me suivre car je poste quotidiennement en story, voilà, vous avez des petites nouvelles, etc. C'est beaucoup plus simple, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Mais voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous reparlerai la prochaine fois que je tourne de mes cheveux, un petit peu plus en détail de ce que je suis en train de voir, etc. De ce qui m'intéresse en ce moment et de pourquoi j'ai mes nouveaux cheveux. C'est la Juju du montage, avec sa pince à épiler, oui, parce qu'en fait quand je fais mon montage, je m'épile. Enfin bref, rien à voir. Je tiens à préciser, parce que je suis certaine que je vais avoir des réflexions sur ce sujet, sur le fait que mon complément capillaire est beaucoup plus long que ma longueur. Il faut savoir que moi j'ai un carré qui est net, donc forcément ça faisait un peu cet effet d'échelle. J'ai coupé mes cheveux hein, pour avoir quand même un rendu beaucoup plus fluide et ne pas avoir ces petites longueurs de queue de rat, on va dire ça comme ça, de repousse, et qui n'étaient pas très, très gracieuses. Là, ce que j'ai, c'est des cheveux naturels, des cheveux européens. C'est ce qui se fait de mieux au niveau de la qualité, etc. J'ai rien à redire par rapport à mes cheveux. Mais voilà, j'ai coupé et on est vraiment sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus naturel comme ça. Je préfère, c'est beaucoup plus sophistiqué, etc. Enfin bref, vous me direz ça en commentaire, mais moi, je préfère. Voilà. Je vous laisse avec la suite de mon blabla. Mais j'en suis vraiment trop, trop contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en Olivier. Pensez. Est-ce que tu aimes les nouveaux cheveux de maman? Ouais, c'est beau, hein? Oui, tu peux mettre dans l'évier. Puis après, je peux avoir pas encore de coca. Non, après, stop le coca. C'est que depuis un fois, on boit un coca, on a mal au ventre. Oui, quand on boit trop de coca, oui. C'est quelque chose que j'achète jamais, donc c'est vrai que... Moi, je bois de l'eau. Oui, tu bois de l'eau. À la garderie, c'est maman qui boit. Oui, vraiment, si c'est deux fois par an, c'est vraiment le bout du monde, le truc. Enfin bon, bref. Mais est-ce que je peux en placer une? Bon allez, je vais vous laisser maintenant. Je vous retrouverai la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer ce que j'avais acheté chez Kiabi, chez Orchestra, etc. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré sur les images précédentes. Je sais plus trop ce que j'ai filmé, vous me direz, mais je crois que c'est principalement ça. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Regarde maman. Magnifique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.